Quelles sont les phobies les plus courantes L'agoraphobie est l'une des phobies les plus courantes. L'agoraphobie est une peur des grands espaces et de la solitude dans les grands espaces. Les agoraphobiques s'aventurent rarement dans des endroits surpeuplés et évitent les zones où ils craignent l'impossibilité de s'échapper, tels que les magasins et les cinémas. Bien que l'agoraphobie soit l'une des phobies les plus courantes, elle est, comme toutes les phobies, une peur irrationnelle et psychologique. Il affecte près de 30% de tous les Américains. Les phobies peuvent aller de la peur légère à la terreur qui peuvent affecter la vie quotidienne d'une personne. Les phobies sont définies médicalement comme des peurs irrationnelles d'une situation inoffensive. La réaction de la victime à une phobie est incontrôlable. Il laisse la personne souffrant de peurs extrêmes et de palpitations cardiaques et peut mener à des crises d'anxiété. Le seul traitement contre les phobies est la thérapie qui peut inclure des méthodes comportementales ou l'hypnose. La phobie sociale est une autre phobie commune. Souvent considérée comme un trac, la phobie sociale est une peur d'être regardée par les autres. La phobie sociale évite toute situation qui l'oblige à parler en public. Non seulement cela, mais la phobie peut aussi s'appliquer à des incidents banals tels que manger au restaurant ou embarquer dans les transports en commun. Cette phobie a touché 5,3 millions d'Américains à un moment de leur vie. La première sur la liste des phobies les plus courantes est l'arachnophobie, ou la peur des araignées. Près de 50% des femmes ont cette peur et près de 10% des hommes en souffrent également. La peur de voler est également une phobie très commune. La peur d'être piégée dans de petits endroits est également l'une des phobies courantes. Connue sous le nom de claustrophobie, cette peur des espaces clos et confinés est souvent conçue comme le contraire de l'agoraphobie. Cependant, à l'instar des agoraphobiques, les claustrophobes craignent également les salles et lieux encombrés où se rassemblent un grand nombre de personnes. En haut, sans jeu de mots, sur la liste des phobies communes est l'acrophobie. C'est le terme utilisé pour désigner la peur des hauteurs, ce qui peut être très dangereux si le patient se trouve en hauteur. Les acrophobes deviennent très anxieux et tendus dans ces situations, et certains ressentent le besoin de se jeter d'un bâtiment ou d'un autre au lieu. Parmi les autres phobies moins connues mais courantes, on peut citer les métophobies, c'est la peur de vomir ou d'être près de quelqu'un qui vomit. La carcinophobie est la peur du cancer et la brontophobie, la peur des orages. La nécrophobie est la peur de tout ce qui a trait à la mort ou aux choses mortes.